bienvenue à votre bulletin de nouvelles quotidien. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux spécialistes qui nous parleront des minéraux présents dans les cosmétiques et les soins du corps. Marjorie et Véronique, comment allez-vous ? Bien, bien, merci. Bon, paraîtrait-il qu'il y a de nombreux minéraux présents dans les cosmétiques et les soins du corps ? Oui, dans certains produits de beauté, ils contiennent des minéraux, comme le rouge à lèvres, l'antisudorifique, le déodorant et les fortifiants vernis à ongles ont tous un minéral en commun. Et ce minéral-là, c'est l'aluminium. L'aluminium est fait de bauxite d'aluminium, ça c'est un minéraux. Et, un minéral. Oui, un minéral. Oui, merci. Ça fait plaisir, voyons. Et dans certains déodorants, il y en a qui sont faits avec du bicarbonate de soude. Oui. Et ça, ça aide à éliminer l'odeur. Oui. Il y en a aussi qui sont faits de talc. Dans le rouge à lèvres est fait de dioxyde de titane. Dans les autres produits et soins pour le corps, il y a aussi dans les dentifrices et les crèmes hydratantes. Oui. Et ils contiennent aussi du glycérol, aussi appelé sous le nom de glycérine. Tout à fait. Ce minéral va servir d'agent hydratant, de solvant ou encore de lubrifiant. Par la suite, il y a aussi les sels de bain. Les sels de bain. En effet, les minéraux qui sont dans le sel de bain sont le magnésium, le potassium, le calcium et le sodium, c'est-à-dire l'halite. Ouais. Dans les minéraux... Ben, les sels de bain, dans le fond, c'est des exfoliants. Ils sont nourrissants et hydratants. Les prochains produits sont le gel douche, le bain moussant et le savon. Dans ces produits-là, ils contiennent du sodium, donc de la vitre, comme Véronique a dit tantôt. Oui. Et sans ce sodium-là, ça ferait pas un aussi bon travail que ce que ça fait. La pigmentation du produit, ben, il vient des minéraux, puis chaque minéraux différent, ça fait une couleur différente. Fait que, en exemple. Ouais, comme par exemple, si vous voulez un beau rouge vermillon véritable, il vous faut du sulfate de mercure. Alors, merci de nous avoir écoutés. On a vraiment aimé ça de faire ça. Ouais. Dans le cadre du souvenir, on a appris beaucoup de choses sur les minéraux grâce à ce projet-là. On était vraiment enthousiastes, puis c'était vraiment cool. Merci. Merci. Salut. Très bien. C'était très constructif et très intéressant. Merci à vous deux. Au revoir. Sur ce, bonne journée.